C'est un truc genre la fête de la bière à Munich. L'Oktoberfest, la fête de la bière à Munich. Nouvelle bonne réponse de Florian Gazan. Oh là là. Il est en train de m'énerver le bénichou là, je te dis quel, pas. Quel ennui, c'était de mémoire vivante. Moi j'adore parce que ça me donne l'occasion de voir Ribéry en culotte de peau chaque année, c'est un vrai bonheur. Ils vont la faire en France hein, d'ailleurs. Ah c'est vrai ouais. Avec des culottes de peau avec aussi avec l'orchestre bavarois et tout le machin. Je vous vois bien Bernard à la fête de la bière. Tu jetteras des bouteilles aussi. Posez vos questions. C'est vrai que le petit chapeau à plumes et la culotte de peau, ça va t'aller à ravir. Mais j'y suis allé une fois. Oui, bah oui en 42 à Paris. Ouais. Ils ont essayé de le boire, ils l'ont pris pour un tonneau. Comme Bénichou avait fermé les stades. Vous êtes déjà allé à Munich pour la fête de la bière, Pierre ? Non, ma belle-fille est munichoise. C'est pas vrai. Vous avez une belle-fille allemande. Oui, monsieur. Une bru allemande. Elle est châtain. Vous n'êtes pas allé à la fête de la bière avec elle ? Non, merci. Vous êtes gentil. Ce qui est très curieux, c'est qu'on pisse sous la table. Il y a des ardoises. Oui, on pisse sous la table. On n'a même pas chez besoin Pierre de se lever. Ah non, pas chez Pierre. Je n'ai jamais été invité chez Pierre. Mais ils veulent plus aller nulle part avec moi depuis qu'ils savent, ils ont su que je travaillais dans cette émission avec vous. Ils disent, on ne le connaît plus. Mais comment ça, il y a une rigole sous les tables et tu pisses directement, bien sûr. Tu te lèves pas. Donc tu bois avec la nouille à l'air. Parce que la fille qui te sert, elle te sert. C'est la fille qui sert, elle sert 7 litres de bière à la fois, il faut voir. Ouais. C'est horrible. Donc t'es assis, tu bois, puis t'as ton truc qui pendouille et tu bois pas pipi. Pas ton truc qui pendouille, il y a des gonzesses tout de suite qui pissent. Il y a une autre rigole derrière pour se manger. C'est pour ça qu'ils viennent en short. Moi j'ai vu une gonzesse qui pissait à 7 mètres. Ah bon? Championne olympique. Elle était sympathique. Après, elle faisait des combats dans la boue. assis sur une saucisse de Strasbourg. Ça fait longtemps que tu connais Amanda Lear. Alors. Je suis jamais allé à la fête de la bière. J'aimerais bien. Moi non plus. Avec ça, j'aime bien la bière. Quand j'étais petit, j'adorais. À quel âge t'aimais la bière? Non, j'adorais, comment elle s'appelle, ça me faisait rêver, Annie Cordy qui chantait Frida ou Papa. Ah oui, elle tirait sur ses couettes, ça allait soulever. Ah ouais, elle tirait. C'est génial. Frida ou Papa. Elle tirait, puis les deux. On l'a vu. Mais oui, je vois très bien, c'est là que ton amour immodéré pour les femmes est né. Et pour les effets spéciaux. Si je pouvais en trouver une comme ça. Annie Cordy. Pour moi, il y a eu ça et la guerre des étoiles en termes de trucage. Moi qui suis. Non, mais on voyait pas. C'était des fils transparents. Bah oui. Elle tirait sur deux fils, puis il y avait les couettes qui se relevaient. Les deux nattes qui se relevaient. C'était drôle. Laurent Ursula Andress dans Docteur No, ça vous laissait froid. Ouais, mais elle tirait pas sur deux ficelles. Non, je vous jure, c'était une belle époque quand même. Ça avait fait des effets spéciaux. Et je me disais, tiens, un jour peut-être. Je la connaîtrai. Et je pourrais aller à la fête de la bière. Vous avez dû y aller, vous, Christine. Non, c'est dégueulasse. Pourquoi il ne faut pas attaquer les gens sur leur physique? Pourquoi vous avez dû y aller, Christine? Pas du tout. Non, mais j'essayais de vous imaginer devant votre petite télé au 5e étage au Havre, en train de rêver sur Frida ou Papa. Eh oui. Ça me touche. Et après, il y a eu Tata Yo-Yo. Hein. Non, mais ça, c'était la fête de la bière, l'Oktoberfest. Et vous, Karine Le Marchand, j'aime pas la bière. Oh, comment ça se fait? Comment t'aimes pas la bière? J'aime pas boire la bière. Et j'ai du mal avec les femmes qui boivent de la bière. Je trouve que ça donne mauvaise haleine. Ah ouais, ça fait un peu des ménageurs. Ouais, hein. Ouais. Autant un mec, bon, l'été, il se boit une petite bière, ça va. Mais non, moi, je bois pas de bière. Autant un mec l'été, tu te rends. Quoi? Tu es là, t'es au mois de novembre, tu as une bière. Non, attends, juin. Bah oui, c'est ça. Bah oui. Mais oui, le pauvre. Autant un mec l'été. Tout allait bien. Oui, non, mais je vais attendre au mois de juillet, ça irait, je pourrais prendre. Ouais. Tu dois qu'il fasse très chaud. Peut-être un boc. Bah ouais, tout se passe bien, elle sort avec le mec. Mois de décembre, le mec, il boit une bière, elle le quitte. Ah, j'ai soif, mais c'est tellement pas classe. Je vous signale que Christine boit de la bière. Christine. Moi, j'ai. Bah oui. Souvent, on est dans un restaurant chic et tout, elle commande une bière. Ah, et on lui demande avec ou sans faux cul. Et la moustache en mousse lui va très bien. Ça fait combien de temps que vous m'avez pas invité dans un restaurant chic? Ben justement, depuis que vous avez commandé une bière. Surtout qu'on n'était pas l'été.